Israël tire de nouveau la sonnette d'alarme au sujet de l'armement du Hezbollah. D'après le général Amos Gilad, ce sont aujourd'hui 45 000 roquettes et missiles que détiendrait l'organisation chiite libanaise. Le haut responsable israélien est cité par le journal koweïtien Al-Rai. Il affirme que le Hezbollah bénéficie d'un soutien absolument sans limite des régimes iraniens et syriens. Chaque mois, des livraisons d'armes transiteraient via la frontière est libanaise, mais aussi par voie aérienne et maritime. Un trafic au moins en partie ignoré par les autorités libanaises, affirme Amos Gilad. C'est selon lui cette absence d'autorité qui a contribué à créer le Hezbollahstan, un état dans l'état qui opère au nez et à la barbe de Beyrouth.